Bonjour à tous, Alex du Québec pour un test démo sur Moondiver sur PlayStation 3, aussi sur Xbox 360, un jeu édité par Square Enix et développé par Phil Plus, un jeu d'action plateforme jeu de rôle qui va sortir le 29 mars 2011. Ensuite de ça, c'est sur le PlayStation Store. Et également sur Xbox Live Arcade. On va commencer immédiatement ce test de mots. Et voilà, on commence partie locale, partie en ligne et les options. On va prendre directement partie locale. Et voilà, mode histoire, vérifier mes données. Vu que c'est la première fois que j'essaye ce démo, on va prendre le mode histoire. Ouais, une musique techno, assez... comment je pourrais dire ça? Assez funny. Voilà. Putain, ça y est. Je crois qu'on peut jouer à 4 en même temps. Bon, là, je sais pas si on a le choix du personnage. Et oui, choisir personnage. Voilà, on a Cipher, Itori, Tolbi, Urion. Bon, on a le choix de 4 putains de personnages. Moi, je vais prendre directement le premier. Voilà. Ensuite de ça, je crois qu'on peut choisir une magie ou je sais pas trop quoi. On a juste une, on va prendre celle-là. Voilà, stage contre-attaque. Ça y est. Petit chargement. Ça y est. Stage 1, contre-attaque. J'ai hâte d'essayer cette démo d'action plateforme. Et jeu de rôle. Bon, ça y est. On commence. On peut diriger notre personnage. Je vais baisser un peu le putain de volume. Et voilà. Ça crache un peu fort. Ça y est. Bon, pour commencer, on dirige notre personnage avec le stick de gauche. On peut sauter avec le X. On a également un double saut. Ensuite de ça, avec le carré, on peut frapper, voilà. Et je crois que c'est tout pour... Oh putain! Avec le R2, on peut faire une glissade. On peut se pencher avec le L2. Et... Oh putain! Avec le rond, je crois que je peux utiliser une magie. Et ensuite de ça, c'est tout pour le moment. C'est ça, déplacer, carré pour attaquer, X pour sauter, voilà. Bon, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y en a de ce jeu, ça y est. T'as des connards. Ouais, ça a l'air très basique pour l'instant. Pas impressionné du tout de ce jeu. Voilà. En plus, un jeu développé par Square Enix. Voilà. Essayez de me dépêcher. Au moins, vous montrer le démo au complet si je peux. Voilà, pendant ça me fumait. Le contrôle est bien, par contre. Très souple. Rien à dire pour ça. Oh putain! On peut s'accrocher après les plateformes. Voilà, bien foutu. Oh putain! Vous avez vu? On peut monter après le putain. Oh putain! Le putain de mur, voilà. On passera pas 3 heures à buter des ennemis. Et voilà, armée monstrueuse. On est dans un autre tableau. Appuyez sur rond pour utiliser les attaques lumière. Lumière, et voilà. J'appuie sur rond. Comme on a vu précédemment, on peut faire... genre de magie, pas trop, je suis pas sûr. Voilà, utiliser le pad pour sélectionner les magies. Sauf que là, on a juste une, ça y est, on est bloqué. Leur buter ces connards. Voilà, ça m'est fumé. Ouais, pas trop compliqué, voilà, déjà niveau 2. Je sais pas si ça sauvegarde dans cette démo, je crois pas. Va falloir acheter le putain de jeu complet. Sauf que moi, comme vous savez, les jeux qui vendent uniquement dans en téléchargement, oh putain, c'est pas mon fort, j'achète pas ça, j'encourage pas ça, il n'y a pas de boîtier, pas de CD, ni notice, moi,
j'en veux pas, ça paraît pas dans une collection. Ensuite de ça, si on veut le prêter à un pote, on peut pas, car c'est dans le putain de disque dur. Voilà, je sais pas qu'est-ce qui est écrit, j'ai pas pris le temps de lire. Voilà, j'essaie de me dépêcher. Putain, ça y est, on fait des petites glissades. Ça y est, on est encore pris entre des murs. La butée, c'est genre de l'ubellule ou je sais pas trop quoi, le petit dragon. Oh putain, ça y est, il me fait canarder. Ils crachent par leur cul des boulettes de feu rose. Voilà, pas trop compliqué pour le moment, voilà. Je suis rendu à 24 de tuer. On peut, je crois, faire des hits, je sais pas trop quoi. Voilà, 31. Message était reçu par DeTipro64. Tu fais des vidéos. Et oui, je suis en train de faire une vidéo. Petite mise au point dans cette vidéo. J'ai tout supprimé, les amis, du Xbox Live. Car je me fais trop harceler. Et Alex est tanné. Comme ça, j'ai tout supprimé, les amis. J'accepte plus personne. Et je t'avais de faire pareil pour la PS3. Car là, Alex joue en ligne, il se fait tout le temps harceler. Et quand je refuse de jouer avec des personnes, il me dit j'ai pris la grosse tête. Et non, j'ai pas pris la grosse tête. Je suis pas obligé de jouer avec vous. Et si ça me tente, je vais jouer. Mais là, ça sera plus le cas sur l'Xbox. J'ai tout supprimé, les amis. Et voilà pour l'information. Et je suis aveugle de supprimer tous les amis sur PS3 également. Voilà, attention. Ouais, pas trop compliqué. Oh putain! Oh putain! Ça y est, partie terminée. La démo est terminée. Frayez-vous un chemin à force des points, blablabla. 12 tâches gigantesques remplies d'action. Ninja de défis qui vous feront voir la mort de près. Profitez d'un mode de coopération en ligne et affrontez l'ennemi avec vos amis. Jusqu'à 4 joueurs peuvent jouer simultanément. Ça c'est un bon point. Maîtrisez des nouvelles attaques, lunaire, personnalisez votre personnage et associez-vous à d'autres joueurs pour lancer des attaques spéciales dévastatrices. Et voilà, reprendre le jeu. Ça y est, on recommence au début. Pour moi, je suis mort comme une merde. Et voilà, ce coup-ci, je vais prendre un autre personnage. Et voilà, on va prendre Tolby. Et voilà. Allez, putain. Je sais pas, cette putain de démo est longue. Allez, putain! Ça y est, stage 1, on a un autre personnage. Oh putain, j'ai la misère à dire tout le temps ce putain de mot. Assez bien foutu, et voilà. Bon, on va se dépêcher. Fermez, 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 fermez. On va bourriner comme un con. Et voilà. Pour moi, je suis mort avec mon personnage précédemment. Voilà, attention. Ça me sent du fumier. Oh putain! Ça y est, en appuyant sur le rond, j'ai fait une attaque spéciale. Et voilà, j'ai tout électrocuté les ennemis de connard. Voilà, assez rapide pour passer les niveaux, les phases de niveau. Voilà, oh putain, j'ai encore appuyé sur le rond. Le champ de Niltor. Voilà, ça fait électrocuter toutes les putains d'ennemis. Ça y est, on est dans la putain. On est pris en deux murs. On est obligé absolument de buter. Oh putain! De buter ce connard pour avancer le niveau. Voilà. C'est pas compliqué. Il y a des petites boules vertes. Je sais pas qu'est-ce que ça sert. C'est sûrement de l'expérience. Parce qu'on voit en haut. À gauche, mon personnage, et on voit là-bas, et voilà, je viens de passer au niveau 2. Suite de ça, on a du PV et du PM. Voilà, on a le score également. Oh putain, je vais éclater la gueule. Je sais pas où ce qu'elle est, ma putain de jauge de vie. Oh putain, c'est le PV. Il ne reste plus grand jauge de vie, on va faire attention. Voilà, c'est compliqué. Bon, déjà m'a rendu à 10 minutes... de la vidéo. On va me dépêcher. Allez, ça y est, on est encore pris entre deux putains de murs. Voilà, faudrait que je pogne des petites boules bleues. Et voilà, je vais faire mon spécial. Waouh, le chant de Niltor. Voilà, il faudrait des petites boulettes bleues pour récupérer de l'énergie, sinon je vais mourir comme une putain de merde. Voilà, pas trop compliqué. Oh merde! Ça y est!
mon PV s'est régénéré, à moins que j'ai chopé une putain de boulette de PV. Voilà, on va faire encore... On va faire encore le chant de Nultor pour tout électrocuter ces saletés de connard. Voilà. Ouais, un jeu très simple je trouve, mais un bon contrôle souple. Et en plus, le point fort de ce jeu je trouve, on peut jouer à 4 en même temps, sûrement en ligne avec des potes. Ensuite de ça, point négatif, c'est un jeu uniquement en download sur le PlayStation Store et sur le Xbox Live Arcade. Point négatif. Les jeux en download, comme je vous dis, moi, c'est pas ma tasse de thé. J'achète pas ça. Ça paraît pas dans la collection. Et je trouve que c'est de l'argent perdu pour rien. Voilà, on est à une autre phase bloquée. Entre des murs. Allez, putain! Yeah! De ça, pas grand-chose. Les graphiques sont pas si pires. La musique, une musique techno... qui est pas mon fort également, mais ça va avec ce style de jeu futuriste. Et voilà, il fait une putain de toupie ce fumier. Allez putain! Voilà, je vais faire une attaque spéciale. Prenez ça, mes fumiers! Voilà. Oh oui, concernant la dernière vidéo que j'ai faite, c'est une musique de Rick Ross avec le jeu Grand Theft Auto 4, ça faisait une coupe de mois, je l'avais en storage, j'ai décidé en hier de la mettre, et là, elle est droit d'auteur, elle est 18 ans et plus, c'est pas de ma faute, si, ben oui, c'est de ma faute, car il y a des nichons dans ce jeu, dans le vidéo que je vous ai fait, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas pour les petits enfants, c'est pour les 18 ans et plus. Allez putain! Ah! Je t'ai pris entre ces deux putains de murs encore. Voilà. Cité déchue. On est dans un autre putain de stage. Je vais essayer de me dépêcher. Je sais pas si un putain de boss à la fin de cette démo. Allez putain, oh putain, vous avez vu? Je vais monter sur les murs comme un Megaman. Voilà. Putain, déjà, je croyais vous avoir dit. Et putain, ça y est, j'ai pas le temps de lire. Allez putain! Ça y est, j'étais encore pris en deux putains de murs. Ouais, ceci dit, ça va être la fin de ce test démo rapide sur Moondiver sur PlayStation 3. Il est sur le PlayStation Store. Ça va sortir le 29 mars 2011. Il est également sur le Xbox Live Arcade. C'est un jeu édité, je veux dire développé par Square Enix. Et puis, je vous remercie à tous. Je vous laisse sur ces images. Et à la prochaine !